caramélisation des roses et sables, on va faire griller les amandes au four. Alors, on étale correctement les amandes à la même épaisseur sur la plaque pour que ça grille correctement partout, uniformément. Tu m'ouvres le four ? Un four à 175 degrés pendant un quart d'heure. Ensuite, on va les incorporer dans le chocolat. Les 15 minutes sont passées et les amandes sont grillées à souhait. Alors voilà, on va les faire refroidir. On va les mettre dans un petit coin. Les amandes sont correctement grillées. Les amandes sont froides. On va les mettre dans la petite coupelle. Voilà. Alors maintenant, on va prendre le chocolat. Voilà. Et maintenant, tu casses les petits morceaux de chocolat et tu les mets dedans. Maintenant, on va faire fondre le chocolat au micro-ondes. On commence par 2 minutes. Ça y est, le chocolat est fondu. Une première partie. Tu vois, Inès, regarde. Là, il commence déjà à être bien fondu. Il me reste encore quelques petits morceaux. Et on va mettre encore 10 secondes. Maintenant, on va remettre un tout petit coup de micro-ondes. 10 secondes. Pour que le chocolat au lait soit à 28, 29, maximum 30 degrés. Alors, il est préférable d'avoir un petit thermomètre pour se rassurer. Voilà, le chocolat est fondu et à point. Il est à une température de 29 degrés là. Il est prêt à l'utilisation. Bon, maintenant on va jeter les amandes effilées dans le chocolat au lait. Regarde bien. Regarde. On a mis toutes les amandes effilées dans le chocolat au lait. On tourne bien mélangé, sans les esquinter. Parce que les amandes effilées, elles se cassent très facilement. Voilà, ça y est, on a fini de mélanger. On a terminé. On prend une petite cuillère, on vient racler la cuillère en bois. Et on garde cette petite cuillère parce qu'on va s'en servir. Voilà, maintenant, on va prendre une plaque. Oui, une belle plaque. Une belle plaque, hein. Regarde, on va mettre une feuille de papier sulfurisée pour éviter que ça vienne coller sur la plaque. On va faire chacun sa plaque. Ah, Inès, tu vas voir ta plaque. Hop. Voilà. À ta petite plaque et j'ai ma petite plaque. Tu prends un petit peu comme ça, tu viens racler sur le bord et tu viens avec ton doigt, ton index, tu viens poser le chocolat directement sur la feuille, comme ça, tout simplement. Comme ça, là tu viens racler, voilà. Et maintenant, avec ton petit doigt, tu viens mettre
de côté. Voilà. Et tu recommences. Alors ce travail est tout simple. Il suffit de prendre une petite habitude et on y arrive très très facilement. La preuve, Inès y arrive très bien. Donc tout le monde est capable de le faire. Hein Inès ? On va les laisser prendre, on va laisser qu'ils puissent se figer, on va les mettre simplement sans les mettre au frigo, on va les laisser comme ça, d'accord? D'accord, mais hein? Je vais prendre un. T'en prends une? Allez, on y va.